commencer, s'il vous plaît? Ouais. Donc, je vous demandais de me présenter les papiers de la moto, votre permis. Ouais. Attendez, j'ai des... Vous interpelle, vous savez pourquoi? J'allais un peu vite. Un peu beaucoup, vous étiez à 99 au lieu de 50, monsieur. Ah, je suis un peu pressé, je suis désolé. Ouais, ouais. Ah, c'est que vous n'avez pas pour repartir. Ah ouais? 50 à l'heure, là. Ah, je suis pressé. 99, je comprends. Alors, votre permis. Par contre, là, c'est pas réglementaire. Une plaque, peut-être vivre, et là, c'est début, c'est pas vraiment là. Ah, c'est, je l'ai acheté comme ça. Non, c'est dérivé, mais c'est aussi, en fait, on voit que c'est dérivé. Ah, c'est dérivé, pardon. Je croyais que c'était le pont de vis. Venez avec moi, monsieur, s'il vous plaît. Oui. Ça, il faut le coller sur la moto, normalement c'est l'amende de 35 euros. Ah, mais je savais pas où le coller, c'est pour ça. Alors, il faut le coller ici, un peu à l'abri là. D'accord, sur le garde-boue. C'est l'autocollant qui vous donne. Okay. Là, c'est 35 euros l'amende. Ah ouais. Asseyez-vous, je vais vous expliquer. Vous avez le permis B? Non, que le... j'ai passé que la... le permis à 125. Vous êtes mineur? Oui, j'ai 17 ans. Bon, écoutez, moi je vais vous faire une fleur. Ouais. Mais ça sera pas renouvelé. La fleur, ça veut dire que parce que je dois vous retirer le permis là. Je le fais pas, vous êtes jeune, je vais vous donner une chance. Par contre, vous allez avoir une amende. Hein. Là, vous allez avoir une amende de 90 euros minimum et 3 points. Sinon, c'est rétention de permis et 1500 euros d'amende. Je vais baisser la vitesse. C'est un cadeau que je vous fais, monsieur, parce que vous êtes jeune, vous êtes mineur. Si je fais la procédure, vous perdez le permis parce qu'ils vont vous enlever 6 points. D'accord? Alors, on va dire que vous rouliez beaucoup moins vite. On va dire que vous rouliez à 85 km/h. Alors, si je vous fais un cadeau, est-ce que vous serez raisonnable dans l'avenir? Ah oui, bah oui, c'est sûr, mais c'est juste que là j'étais pressé et je voulais. Voilà, pas... donc je vais pas faire ça, parce que si je fais ça, le permis saute là. En plus, vous êtes jeune, vous êtes mineur, donc on va dire que vous roulez à 85 km/h. En plus, c'est un 125, alors si vous aviez une grosse moto, vous avez commis déjà des infractions depuis? Jamais. C'est la première fois. Parce que là, vous allez avoir 3 points de moins. Hein. Donc si vous avez déjà perdu, jamais. Moi je vous fais un cadeau, si vous êtes jeune, vous avez l'air d'être raisonnable, mais il faut en tenir compte parce que j'en ai deux de procédure là, j'ai des permis, hein, j'ai retiré les permis. Hein. Et voilà, 3 points en moins, 90 euros d'amende. Heureusement qu'ils n'ont pas vu la chicane. Ah sa mère. Ah fais chier. Putain, me casse les couilles. Enfin bref, ça m'apprendra à rouler au-dessus de la limitation, écoute hein. Oh je suis dans la merde. Oh non. Et voilà, vidéo de. Je sais pas même pas. J'ai même plus de batterie, la GoPro elle lui reste 1%. Ah, j'ai filmé au moment où ils m'ont interpellé, tu vois, donc la merde quoi. Là c'est la vraie grosse merde. Et encore heureusement qu'ils ont pas vu que j'avais la chicane. Hein. Aïe, parce que là ils faisaient un test. Oh là je prenais tarif hein. Ah là je prenais tarif. Putain. 90 balles et 3 points. C'est, en fait, c'est les 3 points en moins qui me font chier. Parce que les 3 points en moins, je suis en permis probatoire et là, mon permis, il est mort. Il est mort, sa mère. Putain! Enfin, bref. La caméra elle va s'éteindre dans pas longtemps, donc bah, c'était pas le cas. Je vous dis à la prochaine et surtout bah, faites gaffe à la vitesse où vous allez parce qu'ils sont partout hein, et je les ai pas vus. Hein. Ben, je pense qu'il y a des camions, il y a des radars ou un bail comme ça, c'est sûr. C'est sûr parce que. Enfin bref. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Et surtout bah, faites attention sur la route et voilà, je peux dire que ça, bah, ça servira de... Ça sert, mais non, pourquoi je dis bonjour? Enfin bref, ça servira de. Je sais pas comment ça s'appelle. Ça servira de leçon, voilà. Enfin bref, c'était Paika, je vous fais de gros bisous et. Ciao!